nouveau programme. On parle, c'est Jenny, Pamela, également. Mais au début, moi j'étais juste un participant parce que moi j'ai vu dans le Théâtre Patou il y a 4 ans de cela, que moi j'ai quand même participé dans l'atelier avec le Théâtre Patou, dans la formation dans le Théâtre Patou même, qui a existé avant. Moi j'ai pris une formation d'acteur et moi j'ai levé au rang de formateur. Donc, il y a un staff qui a organisé une série d'activités et tout à l'heure là, que moi c'est une artiste qui t'a supposé performer parce que m'a fait lecture poétique braille que nous t'ai joué pendant le festival là qui se fait 1er au 15 octobre que nous t'ai joué Tanzinique mais là on a fait une lecture en braille parce que t'ai gagné pendant 15 années ça nous t'ai gagné une lecture un atelier sur lecture braille ça veut dire écriture que nous voyons utiliser même côté que nous montrer un ensemble de artistes danseurs ou encore acteurs qui après on écrit tout ça et nous produisons un théâtre appel, un spectacle appel qui est l'état cynique. Donc je me dis à vous, moi je suis un formateur en dans le théâtre partout et acteur également. Et tu me dis que l'exposition, c'est le premier artiste qui a exposé là. Et ça a exposé, c'est nous-mêmes qui sommes en train de d'accord. Activité jeudi à Jean, capable de manquer, c'est éveil, exposition et performance. C'est une activité qui a réalisé suite à atelier qui était animé pendant 15 ans. 15 ans, j'aime ce dire là, qui est fait chaque année, mais année ça par rapport à Covid-19. Généralement, on fait 1er au 15 juin chaque année, mais année ça par rapport avec Covid-19, nous sommes obligés de décaler et nous tombons 1er au 15 octobre dernier, ce fait. Et là, pendant la période, il y a deux formations, deux ateliers forts, qui sont un atelier sculpture, initiation à la sculpture avec des jeunes non-voyants, et un atelier avec initiation à la peinture avec des jeunes femmes sourdes. Ces œuvres, nous, ça a été réalisé pendant l'atelier ça, que nous avons décidé d'exposer dans la journée mondiale handicapée, qui est le 3 décembre. Jeudi, nous avons gagné 7 jeunes non-voyants qui avaient exposé pour sculpture. Et nous gagnons 5 femmes sourdes qui ont exposé pour atelier peinture. Alors, date d'existence, donc. Ok, Théâtre Patou, ça fait nos 5e année d'existence. Et donc, que nous, Théâtre Patou, venons avec 15 ans handicap et culture. 15 ans handicap et culture, là, c'est un espace d'expression artistique et d'échange culturel. Nous travaillons avec jeunes qui ont handicap, avec jeunes qui n'ont pas handicap, pour nous arriver à mettre ensemble dans l'atelier, faire rencontrer dans l'atelier, dans la formation que nous faisons, dans différentes performances, pour nous être capables de jouer ensemble, échanger produits, pour nous capables. Parce que nous parlons de question de mettre handicap à part, et artistes qui soi-disant pas handicap là, ils ont l'autre bord. Donc nous faisons nous-mêmes, nous travaillons avec tout et nous mettons au même scène. C'est ça l'objectif qui est à tout. Parce que nous ne faisons pas sensibilisation nous-mêmes. Nous ne faisons pas ça, nous les sensibilisations, les loyers. Pour qui ça? Parce que nous, bon, déjà, pour plus l'organisation a fait ça. Pour plus l'organisation, bien toute organisation qui existe, l'objectif a fait deux bagages, c'est plaidoyer, c'est
sensibilisation. Et nous-mêmes, nous pas une organisation qui est là pour nous handicapés. La question de handicap n'a pas intéressé nous. Qui ça nous fait? Nous-mêmes, nous mettons accent sur la capacité pour nous, capacité pour nous gagner, pour les créer, pour les produire, pour les travailler dans l'atelier. C'est sur ça que nous mettons accent. Et c'est tout le monde. Ce n'est pas forcément un handicap là, parce que ça, je ne dis pas un handicap là. C'est vrai, nous d'accord. Nous travaillons tout le monde, mais nous faisons zoom sur le monde qui a un handicap. Ok. So, Kounyala, à qui sentiment, ou même en tant que formateur, comme si vous travaillez avec Mounio, Mounio, nos voyants, les sous, comme si vous êtes exposé, comment est-ce que ça travaille, ça c'est un travail qui est difficile, et puis vous même pour arriver ça à nous, je dis. Ok. En tant que formateur, c'est pas travail là en soi, c'est pas un travail qui est difficile. Tout le bagage n'est pas difficile. Donc, par exemple, nous, les sculpteurs là, Philippe, qui pour lui venir animer ça, tu vois, c'est pour une expérience qu'on a fait avec nos voyants. Pas habitué de travailler avec nos voyants. Mais l'envie fait, l'envie apprend tout de nos voyants. Parce que son l'autre monde, nous menons l'autre monde, il d'accord, fait des placements, et puis qui a qui va travailler ça. C'est vraiment satisfaisant. Et de la part du formateur là. Et de la part des jeunes, ils sont contents, ils ont aimé le travail là et ils ont vu comment ils sont capables d'utiliser à l'avenir. Ainsi que l'atelier peinture là tout. Jeunes, ils étaient très dévoués, ils n'ont pas pensé qu'ils étaient capables de peinture. Premièrement, nous parlons avec eux, nous expliquons qui est la peinture, nous expliquons que la capacité que nous avons gagné en tant que monde, et puis nous essayons. Et puis ça va être le résultat là. Donc, pour l'équipe là en soi, nous sommes très fiers et nous ne souhaitons pas être là, nous ne pas compter être là. Nous souhaitons aller plus devant et souhaiter faire l'autre bagaille. Parce que nous-mêmes, c'est ouais, toutes jeunes qui vivent avec une déficience, ou bien artistes quelconque, ils veulent jouer un moyen pour les vivre libre. Ils ne pas dépendre de rien, ils ne pas obligés de dépendre de monde. Parce que nous toujours parler de handicap, mais non, là, nous-mêmes, nous pas faire ça. Nous devons aller vers l'avant, aller avec chaque monde qui a gagné, et puis nous prenons, nous travaillons avec elle, nous sommes capables de faire le résultat. Là. Est-ce que vous pouvez me parler de la vie? Oui. Bon, je vais vous faire parce que l'explication est plus facile. Oui. Parce que tout le monde dit qu'il y a un cœur, qu'il y a un boss, et qu'il y a un agent. Vous pouvez faire. Tout le monde dit ça? Oui. Mais, comme vous voulez, pas. Après, il a dit que, il dit, mais mettez aussi en image. C'est comme si vous voulez dire. En image. Et sculpture, tout le monde, une belle vie. Parce ça. Tout ça, tout là-bas. C'est de matérialiser. Matérialiser. Mon bagage que je peux poser, c'est là, concernant baleine. Est-ce que, au moyen, C. Ok, D.
Ok. Donc ça, nous connaissons que les gens qui nous suivent là, sur tous les réseaux sociaux, c'est exactement ABCD dans la langue des signes qui est le LDS. Là. Non, ASL. ASL qu'on y a que lié. Donc, ils vont l'autre signification. American Sign Language. American Sign Language. Language. Ok. Donc, American Sign Language, par exemple, qu'on y a si ma petite bonjour. Bonjour. Si ma petite bonjour. Ok, donc bonjour tout le monde qui est sous la croix IT Media. Et si je dis tout le monde, je suis content de nous aujourd'hui. Et je vous nous une prochaine activité. Bonsoir tout le monde, je suis content avec nous aujourd'hui. Je vous nous pour une autre activité. Toujours été connecté la croix IT Media. J'ai été connecté sous la croix IT Media.